Yosh tout le monde, c'est Blade Raid, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Xenoverse, où je termine en fait le triptyque avec les méchants emblématiques de la série Dragon Ball Z. Donc j'avais parlé de Freezer, j'avais parlé de Cell, et donc là je parlais de Boo. Boo qui est en train d'affronter Vegeta. Pour les puristes, vous doutez que j'ai choisi Vegeta en premier affrontement parce que c'est un combat qui... Enfin, c'est du combat de Majin Vegeta contre Gros Boo, qui est l'un des combats... c'est le combat émotion, j'ai envie de dire, de série Dragon Ball Z, parce que c'est ça qui conduit à la fin de Vegeta, où il se suicide, justement. Donc c'est l'un des plus beaux combats de DBZ pour moi, mais c'est aussi l'un des instants les plus... Ouais, c'est l'instant émotion, quoi. C'est presque l'instant où j'avais chialé ma race, quoi, quand je vois la fin de Vegeta. Vous savez en plus que Vegeta, c'est un de mes personnages préférés, si ce n'est le personnage préféré avec Bardock. Ou Bardock, ou Badak. Le père de Goku. Donc voilà, c'est vrai que du coup, on va terminer ce triptyque avec Boo. Boo, étrangement, c'est quand même le méchant que je préfère le moins. C'est pour ça que je termine par lui, étrangement. Moi, le premier que j'aimais, c'est Freezer, en fait, c'est Cell, puis c'est Boo. Pourquoi? Bah parce que là vous pouvez voir que Boo, la première forme, c'est une espèce de gros bébé rose, tout moche, je trouve. Bon après faut pas lui dire ça parce qu'il s'énerve, mais vraiment moi c'était le méchant que je préférais le moins. Après bien sûr il y a d'autres formes super bien, Kid Boo notamment, c'est la plus badass selon moi. Donc voilà, on va parler donc de Boo. Donc je vais faire un bref historique du personnage, une brève biographie. Ensuite je vais parler de son intérêt dans Xenoverse. Et puis je terminerai sur mes attentes du perso, sur ce perso dans Dragon Ball Super, tout simplement la série. Donc voilà, donc Boo, pour rappel en fait, c'est un démon, ou plutôt une entité primitive, qui a été ressuscité ou convoqué par Bibidi. Bibidi qui l'a donc ramené à la vie, on va dire, ramené à la vie ou qu'il a... Enfin, c'est son créateur, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Il y avait eu des épisodes spéciaux où on montrait qu'en fait, il trouvait plus Boo qu'il ne le crée réellement. Alors on va dire que c'est plutôt qu'il a, il a réveillé une entité primitive en lui apportant peut-être sa touche perso, je sais pas comment en dire autrement. Toujours est-il que lorsqu'il a été réveillé, Boo a fait d'énormes dégâts, il a failli détruire tout l'univers en fait. Et Boo, en plus, a... Il a absorbé le Kaioshin de l'Ouest, il a tué le Kaioshin du Nord et du Sud, et il a absorbé le Grand Maître Kaioshin. Donc en fait, en absorbant ces derniers, en fait, il était totalement... c'était un être totalement incontrôlable, rempli de colère et de vice. Donc ça, c'est la forme de Kid Boo, justement. Et en plus... en absorbant Kaioshin de l'Ouest, visiblement, il serait devenu Super Boo, enfin un équivalent de Super Boo peut-être. Et en absorbant le Grand Maître Kaioshin, il est devenu ce gros Boo gélatineux. Et en fait, ce gros Boo-là, il avait plus le QI d'un enfant de 3 ans, en fait. Mais il était extrêmement influençable, ce qui fait quand même que Bibidi... Là, n'a pu le tenir un certain temps, mais même lui en a eu marre en fait. Du coup, il a enfermé Boo dans un cocon et le Kaioshin de l'Est en a profité pour le tuer, le Bibidi. Mais il a été ensuite ressuscité, comme vous en doutez, des années plus tard, à l'époque de Sangoku, par Babidi. Alors, Babidi, pareil, c'est pas le fils à proprement parler de Bibidi, ça serait plus en fait une. Ça serait un double de lui-même. Ça serait un double qu'il aurait créé et qui aurait eu deux fois moins de pouvoir en fait, donc un double plus faible avec moins de pouvoir, et qui était quand même capable de ressusciter Boo. J'avais lu ça en fouillant un peu sur internet, je ne saurais pas vous dire où par contre. Toujours est-il que Boo du coup s'impose comme le dernier adversaire qu'affronte les Z-Fighters dans Dragon Ball Z, enfin les Z-Fighters. Au final, Piccolo, il est complètement à la ramasse dans cet arc-là, parce qu'il est plus du tout... je sais pas s'il a arrêté l'entraînement, mais en tout cas, sa force n'est plus suffisante pour pouvoir faire face à un des adversaires de taille, même s'il s'occupe de Babidi. Ça, c'est vrai qu'il le coupe en deux, mais bon, Babidi est très très faible en même temps. Ça va aussi... Oui, après, on voit qu'il y a des remplaçants quand même, c'est Goten et Trunks. Donc, qui viennent un peu renouveler le potentiel des Z-Fighters.
Ils sont encore jeunes, mais ils ont pas mal de potentiel, parce que on voit qu'ils arrivent à se transformer en Super Saiyan sans entraînement. Ce qui fait sourire Vegeta, je me rappelle de cette scène où il y a Trunks, il lui dit... Il s'entraîne avec Trunks et il lui dit si tu réussis, il voit se transformer en Super Saiyan, il est surpris, puis, mais il dit rien de plus et il dit si tu arrives à m'effleurer, si ça le fait sourire quand il va se transformer en Super Saiyan, il lui dit si tu arrives à m'effleurer, quand même le parc d'attraction. Et justement après dans Dragon Ball Super, bah, on voit qu'il emmène son fils en parc d'attraction, justement il tient parole. Donc voilà, enfin toujours est-il que Boo... C'est aussi un personnage qui a maxé la régénération dans le domaine de Dragon Ball Z. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais Piccolo peut se régénérer, Cell peut se régénérer parce qu'il y a des cellules de Piccolo, et il y a Boo qui peut se régénérer. Or, Piccolo il peut se régénérer parce que tant que son cerveau n'est pas endommagé. Cell, c'est tant que le noyau de son cerveau n'est pas endommagé. Et Boo, il faut que toutes les cellules de Boo soient détruites, si jamais il en reste une encore, il peut se régénérer. Ça se voit très bien justement bah, quand Vegeta se suicide pour rien, parce que Boo se régénère quand même. Alors après, Boo a également ses transformations qui dépendent d'absorption des personnages, parce que lui peut absorber n'importe qui au final. Donc il absorbe justement Gotenks, quand il voit qu'il a le dessous sur lui, il absorbe Piccolo aussi. Il me semble que d'abord il absorbe Piccolo quand tu vois qu'il a le dessous sur Gotenks, puis il les absorbe tous les deux lorsqu'ils ont fini la fusion. Ensuite il absorbe Gohan, ce qui fait qu'il devient Gohan absorbé, et là il est absolument... Là c'est en fait la meilleure, c'est là où il a atteint le summum de sa puissance, parce que là il est, c'est là où il est le plus puissant. Mais grâce à l'intervention de Vegeto, comme vous le savez, il devient Kid Buu. La version la plus incontrôlable, mais un peu plus prenable. Mais c'est en fait, c'est ce que je trouve ingénieux, c'est qu'en fait le dernier combat en fait de Dragon Ball Z ne se termine pas avec un personnage au sommet de sa puissance, mais avec une forme, j'ai envie de dire, de réduction au final, la forme d'origine, parce que qui est moins puissante, mais qui est complètement incontrôlable. D'ailleurs, c'est cette forme qui détruit la Terre du coup, parce que on va dire un personnage ayant un minimum de conscience, même si au final il a pour but de détruire la Terre, il va parler un peu, il va faire son kéké, tout ça. Alors que Kid Buu, dès qu'il devient incontrôlable, dès qu'il reprend sa forme d'origine, bam, il détruit la Terre direct. Donc c'est quand même un personnage complètement berserk au final. Du coup, un personnage qui, vous vous en doutez, a été très très difficile à battre. Parce que Sangoku est obligé d'utiliser un Genki-Dama de toute la Terre. Un super Genki-Dama pour réussir à le vaincre au final, parce que sinon ils auraient jamais réussi à vaincre Boo. Par ailleurs aussi on peut noter que c'est le seul méchant qui garde, qui reste présent même après être mort. Parce que Kid Boo il se réincarne en Boo, enfin en Oob sur Terre. Parce qu'à la fin, je sais pas si vous vous rappelez, mais Sangoku, au moment de l'achever, lui dit « J'espère que tu te réincarneras en quelqu'un de bien et qu'on pourra de nouveau s'affronter. » Et du coup, il se transforme en Oob, hein, tout simplement. Après, on a qui ? On a Boo, le gros Boo, qui est toujours vivant et qui reste l'ami de Satan. Après, il est toujours peu fort par rapport aux Z-Fighters. Du coup, il est plus une menace, puis il est gentil comme tout. On va dire que c'est l'handicapé de l'équipe, j'ai envie de dire, presque, bon. Ça reste que, il reste après parmi les Z-Fighters, on retrouve Dragon Ball Super. Du coup, après, dans le jeu, en fait, il n'est pas accessible en tant que maître, mais on peut quand même, par le biais des missions, débloquer certaines de ses techniques. Moi, je retiens surtout deux techniques en particulier que j'ai utilisées. C'est d'abord l'éclair perlé, qui est une attaque physique où votre personnage peut se rapprocher super vite de l'adversaire, qui se spam assez facilement en plus. Donc pour les personnages qui sont orientés physique, c'est quand même une technique de choix, une technique en plus de moyenne portée que vous pouvez charger pour faire un maximum de dégâts. Donc au départ, il me semble qu'elle faisait plus de dégâts que ça quand même, hein. Elle a ensuite été nerfée. Et je retiens aussi la super boule éclipsante, parce qu'en fait, de toutes les attaques ultimes en tant que les boules d'énergie, les grosses boules d'énergie en fait, donc il y a la boule de la mort, il y a la boule d'énergie négative, il y a la boule foudroyante, il y a la super boule éclipsante, il me semble que oui, je crois que c'est à peu près tout. Et la boule éclipsante en fait, c'est la plus rapide à lancer en fait.
elle se lance super vite, comme une boule éclipsante au final, ce qui fait que elle part assez vite, donc elle fait pas mal de dégâts. Voilà. Après, dans Dragon Ball Super, comme vous le savez, il y a cette idée qu'ils vont traverser les univers. Du coup, est-ce que peut-être on va trouver un univers où il y a Boo qui a triomphé, un peu comme dans Dragon Ball Multiverse, je sais pas si certains suivent, où il y a un Boo en fait qui a triomphé de Sangoku, Vegeta, des Z-Fighters, il a laissé la Terre en vie, mais il a exploré l'univers, il a absorbé quiconque lui semblait utile, et il est devenu du coup un personnage surpuissant en fait, donc qui semble dépasser largement la puissance des personnages de l'univers 18. Du coup, est-ce qu'on va avoir droit à un God Boo, un God Boo, un Super God Majin, un Super Majin God, ça pourrait être sympa de voir ça dans Dragon Ball Super. Après bon, il y a quand même un gros Boo qui a eu un rôle mineur, de toute façon c'est déjà dans le film où à cause de ce con là, Beerus il s'est mis en colère, mais bon, à cause de ce con, j'ai envie de dire, et heureusement, parce que sinon il n'y aurait pas eu d'action, il aurait mangé son flambi et il serait reparti, mais bon voilà, c'est quand même des combats bien sympas. Est-ce qu'on aura droit du coup à un combat de Sangoku SS GSS contre un God? Est-ce que peut-être le dieu de la destruction d'un autre univers ne serait pas Boo? Après tout, il faut quand même remonter à son origine, parce qu'on sait que c'est BBD qui l'a créé, enfin, qui l'aurait en tout cas ramené à la vie. Et c'est une entité primitive. D'où vient cette entité primitive? Est-ce que ce n'est pas une entité primitive d'un dieu de la destruction qui serait en fait le véritable Majin? Donc un dieu Majin. Voilà, tout un tas de questions qu'on est en droit de se poser. Après, pour Dragon Ball Super, voilà, ça serait un peu les questions que je pourrais me poser pour la série. Je vais quand même finir sur Xenoverse au final. Donc pour Dragon Ball Xenoverse, j'ai décidé d'arrêter les builds, tout simplement parce que j'avais plus d'idées, mais c'est que ben là j'ai plein d'autres projets en même temps. Du coup là, au niveau des vidéos, donc il y aura, ça, je vais terminer avec, enfin je vais quasiment terminer avec Parlons de Boo, et je pensais faire une vidéo de Let's Play PVP avec mon personnage level 99, parce que j'ai changé les techniques, et par rapport aux builds que j'ai fait déjà, il y a du changement. Donc voilà, je compte quelques changements, donc je compterai vous montrer ça dans une prochaine vidéo, et je pense que j'en terminerai ainsi avec les vidéos de Dragon Ball Xenoverse. Du coup ça me permet de conclure sur la question. Bah, c'est vrai que j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer à Dragon Ball Xenoverse, ça a vraiment été, c'est vraiment un bon jeu de combat, les touches sont assez simples à faire, et vraiment il y a beaucoup de choses à faire en PVP, c'est la première fois que je prends autant de plaisir à faire du PVP en fait, j'ai atteint le rang D, alors c'est pas le meilleur des rangs, c'est un rang moyen, mais c'est quand même un rang assez sympa, c'était mon objectif à atteindre, donc je l'ai réussi avec mon personnage humain. Donc j'en suis assez content. Au niveau des Majin, après, si vous souhaitez en faire un, justement, bah, vous pouvez essayer. Hein. Les Majin, en fait, ils ont, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils ont une grosse défense, mais que leur endurance se régénère moins que les autres races. Et que, alors, c'est pas, les coups sont plus lents chez les hommes, mais plus rapides chez les femmes. Par contre, ils ont une santé plus faible. Donc il faut retenir ça. Sachant que du coup après ça permet des builds intéressants, vous pouvez peut-être vous orienter vers un Majin distant avec un petit Majin mâle par exemple, parce que la priorité c'est pas de porter des coups mais plutôt de lancer des grosses fiches. Voilà, donc après il y a plein de choses à faire, mais moi je vais vous laisser donc après avoir battu Sangoku. N'hésitez pas comme d'habitude à partager, commenter, liker la vidéo, et moi je vous dis à bientôt, salut salut.